Bonjour le pays, on est ici à la tribu de l'Inderalik, à Yingen, juste à côté de la poule couveuse. Je suis passé voir Victor hier, c'est le président du conseil coutumier, pour lui dire un petit bonjour, m'annoncer. Et là, j'ai rendez-vous avec Marie et Doria pour aller à la pêche sur le platier. On est en pleine marée basse, il fait chaud, il fait bon, il y a du soleil. Et moi, j'avais trop envie de vous faire visiter cet endroit. Je ne sais pas ce qu'on va cuisiner aujourd'hui, mais quoi qu'il arrive, on ne va pas mourir de faim. Et avec un peu d'impro, la magie et de la créativité, on va forcément trouver des recettes. Suivez-moi, je pense que ça vaut le détour. Doriel avec son poulpe. Il y a Marie avec son couteau là. Marie. Salut. Ça va? Oui, ça va. J'arrive après la guerre. On va aller voir Doria, non? Allez. Pouah. Ça va? Oui, ça va, au top. Voilà pour notre petit repas de ce soir. Mets dedans. Un poulpe. Les coquillages de Marie. Et tu m'as dit qu'il y avait des coquillons dans les palétuviers. Voilà. Donc là, on a traversé, on est arrivé sur ton petit coin de pêche là. Oui. Là, on est carrément sur l'îlot où la poule elle est posée. À côté de la poule. Juste à côté. Juste à côté. Et toi, les coquillons là, c'est quoi, des bigorneaux de palétuvine? Les coquillons, c'est on ramasse, c'est quand il y a les mariages, les tu vois, pour faire les salades, les grandes salades, tout ça. Quand tu fais les coquillons pour les mariages, tu prépares comment? Ben, on vient ramasser, on fait bouillir sur place parce que ramasser et emmener à la maison, c'est trop lourd. Si tu casses et puis tu jettes la coquille, puis c'est les bernards allergiques qui remplacent, enfin qui rentrent dedans. C'est pas perdu. Quoi. Ben, on va tester une petite salade de coquillons. Coquillons. Je vais essayer de te proposer quelque chose. Hein? Ok. Alors c'est vrai que bah, vous pouvez en trouver des fois au marché de Nouméa ou dans certains marchés, vous allez les trouver déjà décortiqués. Bah, c'est un peu comme des bigorneaux, la famille aussi des trocas. Donc à partir de ça, une fois que c'est bouilli, une fois que c'est décortiqué, eh ben, on peut, vous pouvez aussi acheter déjà les préparations, hein, tout décortiqué. Décortiqué, oui. Puis comme ça, ça va participer un petit peu à la vie de l'association. Voilà. On va cuire tout ça. Ben, on attend que ça cuit, puis après on tire la bête. C'est quoi? On va aller à la pêche en attendant. Hein? Allez. Je suis pas par ma ligne, c'est pour pêcher du poisson pour commencer. Sûr. Des dorades, ou des petites dorades, loches, ou comment on appelle ça là? Bec de canne, des bossus. Mais sinon, voilà, si on veut des gros poissons, ben voilà, il faut aller avec des bateaux. Pour ceux qui ont des bateaux, mais nous, avec notre catamaran, on ne peut pas les faire. Bon, ça y est, on est prêt pour bon. Pêcher les petits poissons. Pas la queue. Ça, tu accroches sur la tête, comme ça s'accroche bien.
Après, tu balances. Tu sais lancer une ligne? Je lance comme ça. Oui, parce que moi, je ne sais pas lancer avec ça. Je vais me mettre un peu la bombe. Alors moi, j'adore cuisiner. Venir dans des endroits comme ça, là. Pêcher avec les mamans de la tribu. C'est un peu le paradis, c'est le rêve. Hein. Je me rends compte que ma formation culinaire, elle a toujours démarré des recettes, puis après tu vas acheter au magasin les produits. Sauf qu'en Calédonie, eh ben, comme Marie, là, ben, tu viens chercher tes produits, puis tu fais la cuisine après. Les recettes, elles viennent après. Ben, c'est une autre façon de voir les choses. Hein. C'est comme si on faisait à l'envers, enfin, ou plutôt à l'endroit. Et on s'adapte à la ressource, ce qu'il y a sous la main. Voilà. À proximité, ça a mordu. Et c'est ça la culture alimentaire, la culture culinaire. Elle permet, avec cette base alimentaire qu'il y a ici, à proximité, bah, de se faire du bien, de se faire plaisir, d'être en santé. T'as eu des touches ou quoi? Hein, ça a... Là, c'est cuit. Maintenant, on va aller vider l'eau. Puis après, on va taper pour sortir la bête. Ah, c'est chaud! Oui, allez, c'est bon. Maintenant, on va taper. Eh bien, c'est bon, le poulpe est en train de cuire, reste 10 minutes. Les coquillons sont prêts. Nous, on va s'occuper des caillers et de préparer le poisson. Et ensuite, on va se donner rendez-vous là-bas pour préparer les recettes. Hey, c'est bien fermé, toi. Mais c'est pas encore le moyen. Tu les coupes. Il n'y en a pas qu'une seule. Et on continue. Je dis des bêtises. J'ai des petits poissons comme ça, ben, je vais essayer de tirer le maximum. Je vais sauter les filets et puis on va colorer les têtes pour extraire le maximum de goût, de saveur. Je vais bien faire chauffer ma poêle. Je vais faire toaster les noix de badamier. Avec un petit peu d'huile. Voilà. Alors, dans le Pacifique, on n'a pas de pignon de pin, mais on a ça.
nos têtes de poisson. Ce qui est important là, c'est de les faire bien colorer, comme si on allait les faire frire. Tout à l'heure à la pêche, Marie, elle m'a dit qu'elle aimait bien les faire frire. Mais je vais essayer de retrouver le goût qu'elle aime bien avec les petits poissons là. Voilà, c'est exactement ça que je veux pour faire plaisir à Marie. Bien coloré, et je vais faire un bon bouillon avec ça pendant 25 minutes de cuisson avec un peu d'eau. Goûtez ça. Oh, si les patates douces sont cuites. Tu me dis si c'est cuit, hein? Bon? Oui, c'est bon. C'est cuit. Ça, c'est les patates douces de Jean. Voilà, Jean et Marie-Jacques. Et là, ton petit bouillon, là, les poissons qu'on a pêchés, juste les têtes. Hein. Ouais. Encore, allez, 20 minutes de cuisson. Ben, vous voyez, on a fini nos cuissons avec les haricots verts. Donc, c'est les pousses de citrouille qu'on a récupérées à la tribu quand on est revenu de la pêche. Et puis, on a cuit aussi... bah, les bananes vertes, quelques œufs durs. Regarde ce que tu as fait avec les enfants là. Ouais, c'est net. Hein, je les ai fait un peu griller, un peu salé. Vous goûtez un morceau, non? Croquant, impeccable. Hein, bon. Tu vois, ce qui m'impressionne, c'est que t'as les cousines, les mamans, ils sont venus nous aider, même les enfants. Et avec les produits de la pêche là, ce qu'on a fait ici, ben on va s'orienter vers là-bas, puis on va faire l'assemblage. Puis moi, je vais te proposer deux recettes. Une salade avec les coquillons, hein, comme tu as dit tout à l'heure, là, quand on était en train de pêcher. Et puis l'autre, c'est peut-être une bouille, une soupe de poisson, revisitée façon Yangen. Ça sera la soupe Marie de l'Inderali. Hein, on trace là-bas? Allez. J'ai l'impression d'être dans un décor de science-fiction. La lune qui m'accueille, là-haut les roussettes, et puis derrière vous avez les palétuviers. Quoi de mieux pour présenter cette salade au coquillon? On va y mettre des haricots verts et des pousses de citrouille qu'on a pré-cuits, des belles patates mauves, et puis des tomates cerises, radis pour donner un peu de peps. Rajoute quelques œufs durs, et puis si vous n'avez pas de riz, la banane verte, ça fait l'affaire, je vais vous montrer comment l'utiliser. Et les pignons de pin de Yangen, les graines de badamier torréfiées avec un petit peu de sel, une petite vinaigrette. On assemble tout ça, et puis mamam. Là, la patate douce, elle est sucrée. La tomate, elle est un peu acide. Là, vous avez votre radis ben, qui est à poivrer en fait. Donc déjà, là, il y a un super assemblage. En plus, il y a du féculent, on a nos légumes, et puis avec finalement les coquillons, ben là, on va avoir le sel, on va avoir le goût de la mer, l'iode, le coquillage. On va faire de la bananerie, une recette qui vient de Polynésie française, et on n'a plus qu'à finalement râper notre banane verte pré-cuite. À vous à chercher, hein, amusez-vous, c'est les salades composées, hein, qu'on appelle aussi une cuidité. Cru, ben forcément, crudité. Et là, on a plutôt affaire finalement à une salade où on a les deux. Voilà, je vais un petit peu assembler l'ensemble. Regardez-moi ça. L'index glycémique de la banane verte est bien meilleur que celui du riz blanc. Surtout si vous la consommez froide comme ça. Je vais mettre quelques œufs durs, les coquillons, soigneusement préparés par Doria. Zeste de citron. Et voilà. Salade l'Inderali.
J'en ai la chair de poule. Je pense que mon bouillon de poisson, il est prêt. On va passer à la soupe. Hein ? Petit soleil de fin d'après-midi, on passe à la soupe. La bouille, il y en a qui appellent ça aussi bouillabaisse, mais franchement, c'est une version complètement revisitée. J'ai déjà fait mon bouillon de poisson avec les têtes de poisson qu'on a pêchées avec Marie. Donc bien coloré et juste infusé 25 minutes dans de l'eau. Des petits filets, il n'y a plus d'arêtes. Le poulpe pré-cuit tout à l'heure sur l'îlot de la poule de Yengen. Et puis ici, j'ai de l'igname et de la patate douce qui ont été râpées et offertes par Jean. Et là, je vais rajouter des feuilles de kambawa. On m'a même donné un peu de romarin. Et puis regardez ça, du piment pour parfumer la soupe. Je finirai avec de la sauce tomate. On va tout de suite passer à la cuisson. Alors là, j'ai un brûleur. Ok, c'est complètement sécurisé. En fait, j'ai un copain sur Fidji qui s'appelle Dwayne, qui a développé ce dispositif. Il en a distribué dans 60 000 foyers dans tout l'archipel de Fidji. Et au final, on consomme à peu près 6 à 10 fois moins de bois. Là, je mets ma marmite. Et je vais commencer avec un peu d'huile d'olive à faire suer mon igname et ma patate douce râpée. Toujours pareil, je colore un petit peu, je fais suer pour développer le goût. Et puis je vais rajouter des ingrédients, de l'ail en semoule, déshydraté. Des fois c'est pratique, hein. Du poivre. Voilà. Regardez, quand vous n'avez pas d'oignons, bah, des oignons frits, ça fait l'affaire. Un peu de poudre tandoori. Alors moi j'ai une déformation professionnelle en tant que cuisinier, je sens tout, je goûte tout. Au final, moi ma perception du monde, elle se fait en croquant, en sentant. Et je peux vous dire que la vie, elle a quand même plus de goût quand on arrive à finalement la ressentir. Les sensations, c'est la base pour pouvoir bien s'alimenter. Et là, je peux vous dire que les parfums qui se dégagent, c'est extraordinaire. Vous voyez là, ça fait un peu une galette. Je vais maintenant rajouter mon bouillon. On aurait pu mettre du bouillon de poule, crustacé. Là. Regardez. Voilà, il a donné tout son jus. Et le goût du poisson grillé. C'est l'igname et la patate douce qui vont épaissir mon bouillon. Et vous allez voir qu'avec les tout petits poissons, on peut faire à manger pour un grand nombre de personnes. Là, ça commence à épaissir, je vais pouvoir ajouter un peu d'eau. Deux petites feuilles de kambawa, on aurait pu mettre du curry thaï. C'est toujours les mêmes bases, bouillon de poisson, et puis vous accommodez comme vous voulez avec des légumes, minestrone, un peu de romarin. Voilà, je vais tester le piment. Ça va, mais je vais juste en mettre un petit peu. Petites épices tandoori. Regardez, on dirait qu'on a mis du poisson dedans. Là, regardez ça. Là, je vais cuire jusqu'à ce que l'amidon soit cuit. Et je pense que là, dans 10-15 minutes, ça sera bon. On va goûter, rectifier l'assaisonnement, comme d'habitude. Voilà, dans les émissions Oma Kitchen, on essaye de voir autour de nous notre environnement comestible et de pouvoir le mettre dans une marmite, puis après dans notre estomac. C'est pour les grands et les petits, surtout pour le plaisir des papilles. On peut se faire du bien en mangeant, se faire plaisir, et puis aussi se procurer la santé. Je vais découper mon poulpe, qui est déjà pré-cuit, et puis je vais le rajouter dedans.
C'est un petit poulpe. On l'a battu. Ensuite, on l'a pré-cuit. Et là, je vais assaisonner en fait avec ce poulpe notre soupe. Il y a une grande différence entre mettre du poulpe, de la viande, beaucoup de protéines et ensuite la garniture. Moi, personnellement, j'aime bien assaisonner avec la viande et les fruits de mer. C'est ça qui vient apporter le goût. Ma base, c'est plutôt du végétal, du légume, de l'igname, de la patate douce. Et c'est avec le poulpe, le poisson, les coquillons tout à l'heure que je viens assaisonner mon bouillon. C'est tellement fort en goût qu'il n'y a pas besoin de beaucoup. Ah voilà les deux qui reviennent. L'igname, il a coagulé. Là, ça fait un peu comme des gnocchis dedans, là. J'adore. Et puis, vous voyez, hein, ici, à l'Inderalic, ben, on peut louer des kayaks et puis aller faire un tour. How was the ride? Looks like Avatar, doesn't it? Ils sont en train d'évoluer, hein. Et c'est ça que j'adore, moi. C'est jamais pareil. Jamais pareil. Une recette, vous pouvez la faire avec les mêmes ingrédients, les mêmes pesées. Et ben, il y aura toujours des choses différentes. Alors, t'as vu, c'est fini, là. Je peux goûter ? Bien, bien goûter. On va me dire s'il y a assez de sel. Et t'as vu là, il y a juste les petits poissons, les têtes, l'igname et patate douce râpée. Un peu d'épices, sel, poivre, allez, un peu d'ail. Mais t'as vu, on peut manger comme ça. Mais là, je vais rajouter le poulpe. Et puis on va mettre peut-être la moitié des tomates là, s'il te plaît. Tu verses là-dedans. Voilà, juste un peu. Mélanger tout ça. Voilà. La sauce tomate, ils sont bien sûr. Vous n'êtes pas obligé de mettre de la sauce tomate, hein. Ça donne un petit côté provençal. Je vais rajouter les petits morceaux de poisson là. Il y a juste les filets. Ils vont finir de cuire dedans, tu vois. Puis on va pouvoir passer à table. Okay. Parce que moi j'ai faim. Moi j'ai été gâté aujourd'hui. Entre la pêche, toutes les personnes qui sont venues m'aider, les produits de la tribu, et puis surtout d'avoir été accueillis ici dans ton espace, dans ton petit coin de paradis là. Et ben la moindre des choses, c'est que maintenant je puisse rendre l'appareil à travers des recettes, à travers cette bonne soupe et puis la salade de coquillon. Ça a été un plaisir hein, pour moi de venir tourner ici. Franchement, je suis pas prêt d'oublier. Et puis ça va rester gravé dans mes souvenirs culinaires. On va jouer avec ça.